Adrien Van Beveren à terre, en grande souffrance. C'est un rêve qui s'écroule. Mais le nordiste ne veut pas abandonner. Premier sur les lieux, un journaliste tente de le convaincre de ne pas repartir. Nous sommes à 3 km de l'arrivée à Belén en Argentine. Quelques minutes plus tôt, le nordiste venait de chuter lourdement ici sur ces images. Les blessures sont importantes, mais Adrien essaye coûte que coûte et à plusieurs reprises de finir l'étape. Il est vraiment pas bien là, je le regarde en bas et enfin, je sais pas, ça me paraît pas sérieux alors. Finalement, il ne parviendra à parcourir que quelques mètres avant d'abandonner définitivement à l'arrivée des secours. Le pilote est touché à un poumon et doit subir d'autres examens. Pourtant, le leader moto avait bataillé dur pour conserver son avance au classement général. Largement distancé par l'Argentin Benavides, il avait repris son avance, tout en confiant quelques heures plus tôt ne pas être à l'aise. C'est un feeling bizarre entre attaquer et assurer parce que j'ai peur de me retrouver au sol si j'en fais trop. Et à la fois, j'ai pas envie de m'en prendre trop, donc ouais. C'est un terrain qui est piégeux. Et comme un mauvais présage, il finira par chuter. Van Beveren, si près du but, ne remportera pas le Dakar cette année.